130 passagers de la Sotra, société de transport abidjanais, ont échappé au drame ce lundi 9 décembre. Ce bateau-bus numéroté 4055 a pris feu au beau milieu de la lagune sur le tronçon Abobo-Doumé-Plateau. Selon les responsables de la Sotra, l'événement s'est produit à 7h30. Les sapeurs-pompiers militaires alertés ont pu circonscrire le feu. Aucune perte en vie humaine, mais la cabine arrière du bateau-bus est totalement endommagée. Il y a eu plus de peur que de mal. Les responsables de la société des transports rassurent. C'est une salade d'eau douce qui a bouché ce qu'on appelle une crépine d'aspiration qui permet d'aspirer l'eau et de refroidir le moteur. Donc ça fait chauffer le moteur. Et donc devant cet état de fait, le pilote a eu la réaction qu'il fallait. Il y a eu la promptitude qu'il fallait, l'expertise qu'il fallait. Imaginez-vous, si on n'avait pas cette expertise en termes de sécurisation de nos voyageurs, ce qui se serait passé. Les bateaux-bus continuent d'assurer le trafic, malgré la présence des salades d'eau douce, cause de cet incident malheureux.